Bon, s'il vous plaît, venez par ici, là, juste 2 minutes, devant le panneau. Et puis on va monter dans la tour. Vous avez donc, comme là-bas, vous avez vu à Auschwitz, la photo aérienne avec deux camps. Donc, Auschwitz, c'est là que vous êtes promené tout à l'heure. Birkenau, ici, vous voyez déjà la taille. Vous voyez comment c'est grand pour comparer les deux. On était là et on est là maintenant. Je vais lire rapidement la traduction de ces panneaux. Donc excusez-moi pour le... Enfin, c'est simultané, donc il y aura des erreurs de français si vous voulez. Alors Auschwitz est devenu pour le monde le symbole de la terreur. Et il s'est composé de 3 camps principaux. Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkenau, Auschwitz 3, Monowitz. Et plus de 40 camps annexes. Au début, dans la prison se trouvaient et mouraient principalement les Polonais. Et plus tard, ils ont mis les prisonniers russes, prisonniers militaires, des gitans et des prisonniers d'autres nationalités. À partir de 1942, le camp est devenu le lieu d'un meurtre à l'échelle mondiale, le plus grand meurtre à l'échelle mondiale réalisé sur des juifs européens dans le cadre nazi de l'extermination de ce peuple.